mais le pain de vie, nourriture que le Seigneur préparait pour nous, afin qu'on soit capable de vivre en bonne santé spirituelle. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi. Nous allons aller dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 11, que vous connaissez très bien. Depuis moi, commencer, c'est avec nous. Et c'est avec ma mémoire. Ça dit. Lui, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Ô bon Dieu, maintenant, vous méritez de recevoir louange, respect et pouvoir. C'est vous-même qui faites toute bagaille. Si vous là, si vous gagnez la vie, c'est parce que vous voulez. Amen. 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 Papa, nous bénissons, nous exaltons. Nous rendons action de grâce, nous bon gloire que vous-même seul mérité. Nous nous merci pour parole au Seigneur. Parole qui c'est lampe, parole qui c'est lumière. T'en prie. Éclairez-nous chaque qui la matin. Et comme ça, nous va édifier, nous va transformer et nous va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Amen. C'est vous-même qui fait toute bagaille. C'est vous-même qui fait toute bagaille. Nous avons la création et parole, bon Dieu, dit-nous, matin, à travers l'Apocalypse, dernier livre-là, livre création, livre eschatologique-là, livre qui dit-nous qui j'en demain non à pied, et qui j'en demain à pied, comment bagaille pral fait. Et c'est à travers le livre, ça m'est bien aimé, nous voyons que il y a bail adoration, il y a bail louange, il a exalté le Dieu créateur. Le Dieu créateur, bon Dieu qui fait toute bagaille là. Cap recevoir louange, cap recevoir honneur, cap recevoir gloire pour la création, pour tout ça que lui créé. Parce que c'est lui-même qui créé toute bagaille. C'est lui qui fait tout ça qu'il a, mes bien-aimés, tout ça que nous sommes là, tout ça qui entoure nous, tout ça que nous vivons avec là, eh bien, ce n'est pas l'autre monde qui est nous, c'est Seigneur lui-même qui crée tout le bagaille. Il est le Dieu créateur, c'est lui-même qui décide pour lui racheter création. Car nous sommes à travers le psaume 148 que nous sommes lits pour vous, que ce que d'être soit fait lecture pour nous, eh bien, nous, ouais, ça c'est le psaume 148, eh bien, c'est psaume de louange universelle à la création. Ou regardez, c'est tout ça, bon Dieu, créé, eh bien, qu'a fait louange. Qu'a loué, non, bon Dieu, son louange universelle à la création, pour tout ça, bon Dieu, fait, mes bien-aimés. Matin, hein, nous voulons comprendre que, bon Dieu, ça, ou absolument, tout ça qu'il a, mes bien-aimés, il n'est pas sorti en bas main l'autre monde. C'est bon Dieu qui fait toute bagaille là. Lui, il est grand. C'est lui-même qui fait toute bagaille. Et c'est lui-même qui crée moi-même avec vous. À qui ça? De la poussière de la terre, lui crée moi-même avec vous. Et je dis, il y a nous, monde, nous différents de l'autre créature. Lui insuffler dans nous-mêmes la vie. Lui bannou une création parfaite. Le regarder ou pas manquer rien. Ça ne sent d'où ça dans Somme 139 là. Le regarder ou pas manquer rien. Au début, lui fin créer, lui placer dans le plus bel espace que lui créer, le jardin d'Éden. Et lui baou, lui mettait à disposition tout ça qu'on a besoin. Et où tu es toujours avec, il était toujours avec,
ou pas de jamais manquer en rien. Autour de ou même, l'on gade, li créer tout ça qu'on a besoin. Les bêtes des champs, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et tout ça qui rend nous parfaits. En pile, on dit que les gens voulaient faire gros philosophie, ils ne parlent pas de Dieu. Comment partager mon Dieu, mes bien-aimés? Ou pour petit temps pour garder autour de vous-même? Comment pour partager mon Dieu si la nature lui-même annonce? Il dit qui est lié. La nature même dit qui est lié. La nature dit même ça le fait. La nature même dit ça que la continue à faire, la paix, mon Dieu, avec eux. C'est le Dieu créateur. C'est ça qu'il faut prendre. Auteur épite aux Hébreux, dans chapitre 3, verset 4, il parle d'où chaque maison est construite par quelqu'un. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu, la paix, mon Dieu, avec eux. Donc, chaque maison, mes bien-aimés, est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. La vérité, c'est qui ça, mes bien-aimés? La vérité, c'est que Jean auteur, et puis aux Hébreux a dit, chaque maison, chaque paille qui fait, mes bien-aimés, son monde qui fait. Chaque paille qui fait, bon ingénieur sous lit, bon architecte sous lit. Mais, ingénieur ça, architecte ça qui fait Kaisa, il n'a pas fait tout le bagaille. Bon seul monde qui fait tout le bagaille, il est le Dieu. Mais c'est bon Dieu, et ça qu'on voit au radou, c'est bon Dieu qui fait tout le bagaille. Ça qu'on voit dans l'Apocalypse, où est ancien, où est 24 dias, à part d'orel, il y a baille gloire à qui monde, à bon Dieu créateur ça, qui fait tout le bagaille là. Puissance li, mes bien-aimés, il compare, il fait tout le bagaille à partir de rien. Il est le Dieu, il est grand, il est souverain, il est majestueux, il est miséricordieux, c'est lui-même qui a aidé au chaque jour. Le Dieu créateur, ce grand Dieu tout-puissant, le souverain, l'alpha et l'oméga, c'est lui-même qui a aidé, c'est lui-même qui, pour ton secours, chaque fois qu'on a besoin, chaque fois où il est, il est là. Et ça fait, il dit, parole, il fait nous connaître, l'a frappé, l'a ouvri pour vous, l'a relève, l'a pris pour nous. Quand un malheureux crie, l'Éternel, qui ça le fait, lui, tendez. Lui, pote au secours. Et puis, aux Hébreux, auteur a continué dans verset 5, là, pour le 2, chapitre 3, verset 5, il dit pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Alléluia. Ouais, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu. Comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui était doué annoncer. L'on livre Exode, là, mes bien-aimés. L'on regarde Exode, qui s'alba où? Nous joignons la donne histoire peuple Israël lorsque ils étaient captifs par Pharaon. Qui ça va le passer? Bon Dieu pral ouais. Li pral libérer peuple là. Li pral mettre toute bagaille. Li pral descendre pour agir pour peuple là, pour le passer avec eux. Mais qui s'est passé? Peuple là, ils ont mis tout le bagaille en doute que gagne un bon Dieu qui a fait yo sorti là. Ils ont mis en doute que gagne un bon Dieu qui a fait yo sorti là. Ils ont mis en doute que gagne un bon Dieu qui est capable de passer avec qui a retiré yo dans l'esclavage, qui a retiré yo dans la misère. Tout comme nous-mêmes aujourd'hui, en pile dans nous douter de toute puissance bon Dieu. En pile dans nous douter de souveraineté, mon Dieu. En pile, nous douter de capacité, mon Dieu, de ça, mon Dieu, capable de faire.
Et ça fait, ou a souffri, au lieu qu'on quitte le regard sous mon Dieu, au lieu que on parle avec mon Dieu, au lieu qu'on mette toute confiance dans mon Dieu, ou chita ou plein, ou chita ou babier, ou chita ou parler en pile, au lieu que on rete dans la présence de mon Dieu. Parce que on doutait que mon Dieu t'a mis au dehors. Non, soyez ou estimez ou la donne trop longtemps, ou cherchez mon Dieu trop longtemps. Ou cherchez mon Dieu trop longtemps, ou venez douter, ou poser cette question, est-ce que mon Dieu t'a mis au dehors? Mais s'il te fait pour le peuple, il y a. S'il te voit souffrance, il te libéré. Il te mette au dehors, ou même toujours dit à la sortie avant. Dans l'esclavage qu'il y a qu'à mettre au dehors. Mais, regardez qui s'accrivait. Bon Dieu, fin fait ça pour yon. Yon pas remercié le nom. Yon pas remercié le nom. Yon préféré dire Seigneur, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous laisser mourir dans le désert. Quelle ingratitude. Seigneur, tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous laisser mourir dans le désert. Ah, yo t'es capable de remettre bon Dieu. Israël, mes bien-aimés, bien que bon Dieu mette au dehors, les libérer yo, en bas même méchant, en bas même pharaon, yo pas trop reconnaissant envers bon Dieu. Yo pas trop reconnaissant envers bon Dieu. Yo pas trop reconnaître ça bon Dieu fait pour yo. En pile nan aujourd'hui, a bon Dieu mette nous dehors. Li passe avec nous. Il ouvre la porte pour nous, il délivre nous, mais nous n'avons pas un petit temps pour nous dire bon Dieu merci. Il finit délivrer nous, il finit mettre nous dehors, il finit s'échapper, il finit sauver nous, il finit ouvrir la porte pour nous, et puis ça nous fait, nous n'avons pas de temps pour lui. Nous avons checké avec l'Éternel dans le next problème. Nous avons cherché dans le next problème. Non. Parce que nous avons sorti et nous avons mis nous dehors. Ou pas de temps pour tourner venir dire merci. Ou pas de temps pour tourner venir dire merci. Bon Dieu fait tout bagaille. Et ça qu'il a, mes bien-aimés, c'est grâce à lui-même. Ce n'est pas volonté. Ce n'est pas volonté. Mais comprenez bien. Bon Dieu était bon Dieu. Bon Dieu était bon Dieu. Il contrôlait tout bagaille. Il ouait tout bagaille. Il compte tout bagaille. Ou pas qu'à balmenti. Ou pas qu'à rouler, bon Dieu, dans la farine. Les libérer, les retirer en bas de Pharaon. Yo pas reconnaissant. Yo plutôt réclamer seulement. Yo réclamer seulement. Yo réclamer. Parce que, mes bien-aimés, il y a droit, il y a devoir. Mais nous, les hommes, nous avons grain de bagaille que nous connaissons. C'est droit à nous connaître, mais nous pas qu'on devoir. C'est une raison qui fait nous toujours demander. Nous toujours à réclamer. Nous toujours à réclamer, nous toujours à demander. Nous toujours avons droit pour nous réclamer. Nous toujours pour réclamation. C'est comme si mon Dieu douait nous. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas rien, nous pas doué mon Dieu nous-mêmes. Nous accrochons nous à droit, nous avons tout droit, mais nous n'avons pas de devoir. Yoshita là, il a réclamé seulement dans mes seigneurs. Mais ça que vous ignorez, ça que le peuple Israël l'a ignoré, c'est que si là, qui te fait sortir d'Égypte là, il n'y a pas de quitter yo mourir dans le désert. Ce n'est pas de volonté, ce n'est pas de choix, ce n'est pas de projet, ça a été pour vous. Nous soyez là, l'Éternel pape qui t'a mouru là-dedans, la paix bon Dieu avec vous. L'Éternel pape qui t'a mouru dans soyez là, c'est pâle où y est, mêle sous vous déjà. Mêle sous, mêle pâle sous vous, mêle sous vous déjà. Exactement. Hébreux chapitre 3, verset 6, où tu as dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Alléluia. Jésus-Christ, mes bien-aimés,
C'est lui qui a régné sous Kaila. C'est Jésus-Christ qui naît et Seigneur. C'est lui qui contrôle Kaila. Kaila, mes bien-aimés, c'est vous-même. Pas oublier où c'est temple, où c'est temple Saint-Esprit. C'est là loger, c'est là habiter. Et qu'on y est, hein? Sous mal espace-là, la première, sous pas mal il n'est pas premier sous. Et ça cause au tradou, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Comment mes bien-aimés capables de rejeter mon Dieu qui crée toute bagaille là? Comment je dis ou capable de cracher sous mon Dieu qui crée toute bagaille là? Comment capable de cracher sous mon Dieu qui, si ou là je dis, c'est grâce à lui? Si ou capable de manger je dis, grâce à lui. Si je dis capable de mettre un rad sous, grâce à lui. Si je dis capable de mettre un bel soulier dans le pio, grâce à lui. Si je dis capable de mettre un bel caille pour être, grâce à lui. Si je dis capable de côté ou abdomen, grâce à lui. Si je dis capable d'un pays étranger ou à l'abri d'un série de bagailles, c'est grâce à lui. Si je dis ou capable de parler, ou de dire dans la main, ou passer dans l'école, c'est grâce à lui, mes bien-aimés. Il y a un bon Dieu qui porte l'espoir dans la vie. Il y a un bon Dieu qui a bon espérance. Et pas l'autre monde qui baoule, l'école pas baoule, Marie pas baoule, madame pas baoule, petite pas baoule, rente sociale ou pas baoule, contact ou relation pas baoule. Il y a un grand monde qui a bon espoir ça. Qui a porté espoir ça dans la vie, c'est bon Dieu, mes bien-aimés. Le Seigneur vient nous donner force chaque jour. Chaque jour, il renouvelle les forces. Gado pour we. Ou à droite ou à gauche, ou à monter, ou à faire 16 temps. Ou pas d'un jour pour vendre le. Koto jeune pour ça. Koto jeune pour ça pour faire tout travail ça yo. Ou pas j'en craquer. Koto jeune pour ça yo. Mais c'est dans même bon Dieu créateur. C'est dans même style qui crée tout bagay là. C'est lui-même qui boit manger chaque jour. C'est lui-même qui bénit sans qu'on pas mériter bénédiction, li baoul. S'il t'a gardé sous comportement, s'il t'a gardé sous geste, s'il t'a gardé sous son affaire, j'en négligent, j'en infidèle, j'en ou ingrat, li pas t'a baoul, li pas t'a béni. Li pas t'a béni. Comment ou capable de rejeter un bon Dieu comme ça, mes bien-aimés? Comment ou capable aussi ingrat envers un bon Dieu comme ça matin? Comment on est capable, je dis, à garder un bon Dieu comme ça et pour mépriser? Un bon Dieu qui boit toute bagaille. Un bon Dieu qui fait que ou même je dis, c'est grâce à lui-même pour exister. C'est grâce à lui-même ou là. Bon Dieu, ça, c'est lui-même qui fait toute bagaille. C'est lui-même qui crée toute bagaille. Je dis à frère Samuel, qu'on est bien, c'est lui-même qui a régné sur toute bagaille. Si je dis à ou vivant, c'est grâce à lui-même. Quitte le régner sur la vie. Quitte le régner sur la vie. Quitte le contrôler la vie comme seul maître et seigneur. L'ouvrir votre cœur à lui-même. Et qu'on s'en va pour être, on ne peut jamais manquer en rien. Psalmiste dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Avec lui-même, avec l'Éternel comme gardeur, avec l'Éternel comme berger, ou pas jamais manquer en rien. Lorsqu'on reconnaît que bon Dieu c'est lui-même qui met tout, lorsqu'on reconnaît que c'est lui-même qui a régné sous la vie, lorsqu'on reconnaît que c'est Kaili, même Jean, auteur a dit dans Hébreux chapitre 3, verset 6 là, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Lorsqu'on connaît ces petites-là qui a dominé, ces petites-là qui est en tête, ces petites-là qui est chef, c'est lui-même qui chef tout chef, c'est lui-même qui roi tout roi, c'est lui-même qui tout puissant, c'est lui-même qui met le Seigneur. Le ça, on est capable de balayer toute gloire, tout honneur que lui-même se méritait. Même Jean à 24 Béaïo, on peut l'adorer. On peut le mener une vie de louange, on peut le mener une vie d'adoration, parce qu'on connaît. Il est le créateur de toutes choses. Parce qu'on connaît, c'est lui-même qui fait toute bagaille. Parce qu'on connaît, si on l'a aujourd'hui, c'est grâce à lui-même. Si on existe, c'est grâce à lui-même. Si on a fait, soit fait, là,
Sou ka gen, sou gen yo la, c'est grâce à lui-même. Frère Msem, bien-aimé dans le Seigneur. Louis que a Seigneur à matin, pour qu'elle capable régner sous la vie. Parlez tout ou même matin, esprit encore, pour qu'elle capable régner sous la vie. Parce qu'il est le Dieu créateur. Il c'est Seigneur des Seigneurs. Il c'est bon Dieu qui fait toute bagaille là. Avec lui-même, ou pas manquer en rien. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu garde. Que bon Dieu passe avec vous. Au nom de Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.